c'est un bon vieux que l'on voit près du quai d'Anjou. Les moineaux chantent pour lui des refrains très doux. Une légende dit qu'un magasin, le paradis, fut le témoin des jours heureux du petit vieux. En ce temps-là, chaque jour quand sonnait midi, elle venait, regardait, puis entrait chez lui. Un matin sur ses pas, l'amour entra, et c'est ainsi que pour la vie s'était fleuri le paradis. Le vieux marchand d'oiseaux de l'île Saint-Louis alors vécu le plus joli rêve, sans souci du temps qui fuit, dans le plus tendre des nids que berçait de joyeux gazouillis. Le vieux marchand d'oiseaux de l'île Saint-Louis devait connaître aussi la détresse par un triste après-midi quand tombent les feuilles jaunies dans les rues sur les quais de Paris. Pourquoi le ciel lui enlevait-il sa belle? Il savait bien qu'il ne vivrait plus sans elle. Vieux marchand d'oiseaux de l'île Saint-Louis voulut que partent aussi avec elle ceux qui la pleuraient sans bruit et lâcha vers l'infini ses oiseaux qu'elle aimait, ses amis. Voilà pourquoi lorsque vient midi sans elle, les moineaux viennent lui chanter sa belle, si belle. Le vieux marchand d'oiseaux de l'île Saint-Louis attend que sonne autour de Notre-Dame le retour de son ami, de celle qu'il a chérie en quittant pour toujours l'île Saint-Louis, en quittant.